Junior, on n'a pas revu Charme Créole en compétition depuis plus de 2 mois. Pour quelle raison? Il n'avait pas des engagements adéquats. Et puis le cheval était un petit peu moins bien après ses dernières sorties. Donc il a fait un petit break dans le sud. Et il est revenu en forme, en état et prêt pour travailler. Quoi. Et là, ce sont des conditions très favorables. Oui, très favorables. L'engagement est bon. Une distance qu'il apprécie et il a pas mal de travail derrière lui. Et en tout cas, ses derniers boulots sont très bons. Il avait effectué une bonne rentrée l'été dernier à Anguin en étant déféré des 4. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci? Non, il ne sera pas déféré comme tous mes pensionnaires déjà jusqu'à la fin du meeting à Vincennes. Et il va garder ses fermes. Il sera ferré léger pour essayer de faire l'arrivée quand même. Donc... On va tout faire pour finir dans le quintet. C'est vrai que la piste est très dure actuellement à Vincennes, c'est ce qui vous refroidit un peu? Elle est catastrophique en ce moment. C'est un peu dommage de courir des chevaux de cette qualité sur une piste comme ça. Même chez nous, à la campagne, à l'entraînement, quand ils gèlent, on arrive à faire mieux que ça. Alors, avec tous les outils qu'ils ont et tout, pour pas arriver à faire une bonne piste, c'est très dommage parce que du coup, après, on voit des courses qui se creusent, des courses de vieux chevaux à 10 partants, il en reste 5 à l'arrivée. Au bout d'un moment, il faut qu'ils se posent aussi les bonnes questions. Mais du coup, c'est pour ça que mes chevaux seront plus déférés pendant le meeting. Parce qu'ils usent beaucoup, beaucoup de pieds et puis ils ont mal partout après aux articulations et tout. Donc je préfère les préserver. Bon, on en revient à Charme Créole. Il peut bien faire d'entrée de jeu là. Oui, je pense. Je pense qu'il faut... c'est sûr, quand on voit le papier, quand on voit qu'il est ferré et tout, à première vue, on n'est pas incité à le mettre. Mais moi, de ce que je vois le matin, en tout cas, moi, je lui ferai confiance.